Στον μουχλιασμένο κήπο ξανακυλάει το νερό από το πέτρινο στόμα του Πασιδώνα και το βατράχια ήτιτο νέα γενιά ετοιμάζει πάνω σε ευδελειρά απολυθώματα. Α ναι, το ίδιο απροσδόκητα η γλύκα ξεχυλίζει, το συντριβάνει ανατέλλει τους νερένιους ήλιους του ξανά ni fits aproetimasti, schiazete stifundo timonitis. Dans le jardin moisi, l'eau coule à nouveau de la bouche de pierre du Poséidon, et la grenouille indomptable prépare la nouvelle génération sur des fossiles moroses. Ah. Oui, tout aussi imprévu, La douceur déborde, Le jet d'eau dresse à nouveau Ses soleils liquides, Et mon âme, belette impréparée, S'effraie en son cloître touffu. Et de même que le parc lentement s'agite, Que les chouettes sont en liesse, dans leurs bureaux obscurs, Et que résonne le fracas des jets entre les pierres silencieuses de la demeure fermée, de même la villa de ma vie s'est ranimée grâce aux eaux jaillissantes que tu m'as versées dans la bouche. Amour contraire, recueil de 1982. Catherine Angela Kiruk a 43 ans. C'est le début tardif d'une carrière qui sera féconde, seize recueils en tout, et elle a en plus traduit beaucoup de poètes anglais ou russes. Sa poésie va s'avérer d'une impressionnante constance. Son sujet principal et quasi unique, c'est l'amour, l'amour des cœurs et des corps, et aussi l'amour de la nature. Cette poésie prend la forme d'une confession presque toujours, le poème dit je. Ce poème-là est tout simple, ça fait du bien de temps en temps, simple dans son propos, la femme est un jardin, le jet d'eau figure l'orgasme, il y a quelques points obscurs, très peu, le bureau des chouettes, mais tout cela est frais, limpide, d'une sympathique euh, hardiesse à la fin. Il faut savoir que euh, dans l'original grec, le mot hino, qui veut dire verser, désigne aussi euh, le plaisir sexuel. La traduction bah, Pour une fois, rien à dire. Ce sont des vers libres, sans effet euh, très voyant. Il s'agit simplement de respecter la respiration du texte l'alternance de vers brefs et moyennement longs. Les vers brefs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un signe de lenteur, puisque aller à la ligne, c'est toujours un virage qui oblige à ralentir. Il nous reste donc du temps pour lire un autre poème, écrit une bonne trentaine d'années plus tard, peu avant sa mort. Et ces derniers poèmes sont parmi les plus beaux. Ils sont très élégiaques et tout imprégnés de mélancolie, comme l'anorexie de l'existence. Je n'ai pas faim, pas mal, je sens bon. Si je souffre au fond de moi, je n'en sais rien. Je fais semblant de rire. Je ne désire ni l'impossible. Ni le possible, les corps qui me sont interdits ne rassasient pas mon regard. Parfois je lève les yeux vers le ciel ardemment, à l'heure où l'éclat du soleil s'efface et l'amande azur s'abandonne au charme de la nuit. Ma seule participation au tournoiement du monde est mon souffle régulier toujours. Mais je me sens participer d'une autre façon étrange. Soudain m'angoisse la souffrance humaine. Elle s'étend sur la terre, telle une nappe rituelle, trempée de sang, qui, recouvrant dieux et mythes, renaît éternellement et s'identifie à la vie. Oui, je voudrais pleurer, mais tout est sec, la source de mes larmes aussi. Le corps s'en va, les amants s'en vont et le désir toujours là. La chair s'est changée en page, la peau en papier, la caresse en notion abstraite, le corps en théorie nouvelle sur l'inexistence. Eh oui, comment décrire la nature alors qu'elle m'a laissé tomber et que c'est seulement à la première de l'automne elle se souvient parfois de m'inviter. J'espère trouver le courage d'exprimer une volonté ultime, voir un bel homme dévêtu pour le souvenir, pour conserver le corps masculin comme dernière image, lui qui n'est pas matière, mais la surnaturelle substance de l'avenir. Car tel est le plaisir, toucher le périssable pour écarter la mort. Katerina Angela Kiruk, La chair Beau désert aux éditions du Miel des anges, traduit du grec et présenté par Michel Volkovitch, mise en image Henri Colomer.